Continue ta phrase. Ta mère, elle t'a pas rappelé. Elle t'a pas dit le... Ah vas-y, nique ta mère, voilà. Non, si je peux tout le temps faire ça, c'est bon. T'es vraiment allé à l'école? Oui. 20 x 20. Mais... À quoi? Putain... Ouvre. Non, vas-y, vas-y, non, t'es un gros porc, quoi. Vas-y, ouvre. Casse les couilles, là, vas-y, ouvre. T'as l'indication chez toi, y'en avait pas, gros. Ouais, frérot, je vous pète dessus, là. Putain de bâtard. Je sens l'odeur de mon pet et tu m'as crié, tu t'es ouvert la bouche, tu jures que là... Continue ta phrase, je t'en mets une patate dans la gueule. Continue ta phrase. Tu crois que tu fais le malin ou quoi, fils de pute? Ta mère, elle t'a pas rappelé? Elle t'a pas... dit le... Ah vas-y, nique ta mère, voilà. Nadine, je te la nique. Voilà, et tu es enculé, gros. C'est bon, commencez pas. Le respect chez vous, il n'y en avait pas. Hein, ton respect... Hop, tu froises, lui, machin chouette. Mais pourquoi il danse? Hein? Il a fait un logo. Tu vois, tu parles de ma mère et tout. Ah, il a fait. Est-ce que moi je parle de Joël la pute? Ah, tu parles de ma mère. Mais t'es malade, tu viens de dire le prénom de ma mère, je parle pas de prénom de ta mère, je parle de ta bouche. Va fermer ta gueule, fils de pute. Ouh. Tu dis encore Joël la pute, je te nique ta mère. D'accord? Oula. Comment ça à dire ça, je te nique ta mère? C'est bon, tata Joël, je suis désolé. Va fermer ta gueule. C'est votre fils, hein. C'est pas dire, ouais, tata Joël, je suis désolé. Ok? Bah, tata Joël, je m'excuse. Spamé dans le chat, smahli Joël. T'as dit, est-ce que ta mère t'appelle? Elle va te faire. Heureusement qu'il y a un peu le grand frère qui est là pour nous calmer quand le il faut. Non, pas le grand frère, mais le papy, quoi. Moi je le considère comme un grand frère. T'es un grand frère pour moi. Non, moi JP, pour moi t'es un papy. Pour moi JP, t'es un pilier. Ouais, je te dis. Pour moi un pilier. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Un pilier. Non, t'es un solide, frère. Je suis ressorti avec elle du 6ème jusqu'à la 3ème. Donc ça veut dire que vous êtes restés combien de temps ensemble? Ouais, tu calcules. 6, 4, 3. D'accord, ok, d'accord, et d'accord, très bien. Donc pour rester autant de temps, c'est-à-dire que vous aimiez, enfin vous aimez, d'accord. 6, 4, 3. Attends, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez plus ensemble? C'était quoi la rupture? Pourquoi? Je voyais plus après, n'étais plus au collège. Donc, t'as fait du coup 6, 4, 3 avec elle. Bah, 6e, c'est une composition, c'est une compo. Non, c'est du 6, 4, 3, tu connais pas. 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. Voilà, 6, 4, 3, 1, les frères. Leur compo. Je comprends pas que vous racontez des histoires. On va vous croire sur parole que moi je raconte la vérité, on ne croit pas. Ah non, t'es pas du tout intelligent. Depuis que tu grandis, tu deviens plus intelligent, tu deviens con comme un balai, quoi. T'es sûr? Ah voilà. À 100%. À 100%. 5 x 5? Eh ben, niquez ta mère. Allez, vous faire enculer. Non, je suis pour me casser les couilles. C'est anecdote ou c'est après pour me casser les couilles? On l'a obligé de faire. On m'a fermé ta gueule. Toi, tu veux que je te pose une question, voilà? Bah vas-y. Non. Si, allez, vas-y, JP. Calme-toi, JP, calme-toi. Ton idée. Hein? Elle marque quoi? MDR les branlés, hein, faire les grands. Si je vous mets une claque, vous allez pleurer. Oh, t'as une anecdote de bagarre au collège ou au lycée? Je ne suis jamais battu de ma vie. C'est vrai? Quoi? Bah, attends, c'est vrai, il serait pas avec nous aujourd'hui. Non, mais vraiment, pour quelle raison? C'est toi qui voulais pas ou... Parce que ça sert strictement à rien. Parce qu'il a pas le choix. Pourquoi il a pas le choix? Bah si, il a toujours le choix de se battre. Non. Pourquoi? Et là, il est obligé de dire non. Regarde le corps, t'as mal. Non, pas rien, les gars, non. Non, si je peux tout le temps faire ça, c'est bon. C'est mais quand je vais me dans mon coin, et vous allez tous me faire enculer, gros. Et là, tu vois, c'est... Non, j'ai raison. C'est toujours moi qui en prends plein la gueule. C'est bon. Ouais, mais c'est lui. Ouais, t'as niqué ta mère, gros, toi. Va niquer ta mère. Tu crois que c'est normal devant toutes les jeunes? Ah ouais, je me suis fait exclure, c'est marrant, j'ai fait ça, je suis marrant. Je trouve que tu dois nous donner le bon exemple. Mais c'est le but de... Mais frère, quel bon exemple? T'es des enfants de 15 ans, t'as toutes les mères et tu fumes 15 paquets de clopes par jour devant les caméras, tu me parles d'exemple. Ouais, mais va niquer ta mère, toi. Ferme ta gueule. Oh, t'as une anecdote de bagarre au collège ou au lycée? Je ne suis jamais battu de ma vie. C'est vrai? Attends, sinon il serait pas avec nous aujourd'hui. Non, mais vraiment, pour quelle raison? C'est toi qui voulais pas ou... Parce que ça sert strictement à rien. Parce qu'il a pas le choix. Pourquoi il a pas le choix? Bah si, il a toujours le choix de se battre. Non. Pourquoi? Et là, il est obligé de dire non. Regarde le corps, t'as mal. Non, pas rien, les gars, non. Non, si je peux tout le temps faire ça, c'est bon. C'est mais quand je vais rester dans mon coin, et vous allez tous me faire enculer, gros. Et là, tu vois, c'est... Non, j'ai raison. C'est toujours moi qui en prends plein la gueule. C'est bon. Ouais, mais c'est lui. Ouais, t'as niqué ta mère, gros, toi. Va niquer ta mère. Tu crois que c'est normal devant toutes les jeunes? Ah ouais, je me suis fait exclure, c'est marrant, j'ai fait ça, je suis marrant. Trop, tu nous donnes le bon exemple. Mais c'est le but de... Mais frère, quel bon exemple? T'es des enfants de 15 ans, t'as toutes les mères et tu fumes 15 paquets de clopes par jour devant les caméras, tu me parles d'exemple. Ouais, mais va niquer ta mère, toi. Ferme ta gueule. Venez là, tout de suite, là, on trouve le nom de la team.
La villa des dents brisées. La villa des dents brisées. Sure, j'ai... Bon les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une radio. Mais le début ça va pas être la radio. Là on est tous ensemble pour raconter nos pires anecdotes scolaires. J'en ai pas. Normalement, non, mais t'en as pas, mais frérot, t'es jamais parti à l'école. T'es vraiment allé à l'école? Ouais. 20 fois 20. Mais à quoi? C'est facile, 20 fois 20. Attends, 400. Quand j'étais au collège Les Plaisances, à Mantes-la-Ville, les gens, ils ont, je te jure, à la rentrée, je te jure, il y a des élèves qui sont venus me voir, ils m'ont dit, c'est vous notre nouveau surveillant? La classe Ulysse, c'est quoi ça? C'est Ulysse 31? Et en gros, pour passer le diplôme... La classe Ulysse, c'est là où il y a tous les gens comme toi, frérot. Non, arrête. Où tous les gens comme moi? Moi, j'étais en sec par toi, ta petite pute de ta mère, elle était où? Non, tu mens. Non, elle est en sec par. Non, encore sec par. Encore elle était? Qu'est-ce que t'as, bâtard de tes morts? C'est quoi? En sec par. Sec par. Session d'éducation spécialisée. Mais ça veut dire quoi, en gros? Non, mais en gros, là, il essaye de maths. Ouais. Au lieu de faire des maths, il dessine des chiffres. Le jour du brevet, j'y vais pas. Ouais. Je dis rien à mes parents. Je suis au stade de mon quartier en train de jouer au foot. Mon père, il passe, il me voit, il sort la voiture, il dit « Mais c'est pas le brevet aujourd'hui ?» Il dit « Oui. » Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je suis pas allé. » La tête de moi, il m'a couru derrière dans tout le quartier. Mon père, il m'a couru derrière dans tout le quartier. Je m'en souviens encore. Après, il voulait me démonter. Toi, t'étais où le jour du brevet? Moi, je suis arrivé. Bon, j'étais plein d'ambition. Je sais pas, j'étais plein d'ambition. Ouais, je veux le brevet, c'est le premier diplôme, etc. Même s'il sert à rien. Je suis arrivé devant. J'ai regardé le surveillant. Il m'a dit, t'es venu? Et je lui ai dit. Et je suis parti. Je suis parti jouer au foot. Toi? Moi. Je vais à l'épreuve du matin, ouais. C'était maths, et l'après-midi c'était sciences. Je vais en maths, je dis ouais, je vais manger chez moi et tout. Je suis pas revenu, le lendemain, elle commence à péter un câble. Le soir, la surveillante, elle appelle ma mère et tout, elle lui parle mal et tout. Le lendemain, j'y vais, j'ai menacé la surveillante et du coup, bah, j'ai été exclu. C'est pas une blague. D'ailleurs, les gars, moi j'ai esquivé deux conseils de discipline. Je vous dis comment, c'est très simple, il n'y a rien de plus simple, faut manipuler l'humain. Alors comment? Une fois que vous arrivez au conseil de discipline, vous venez avec une larme, juste une larme. Vous venez avec votre tuteur légal le plus maouche. Moi c'était mon père. Je suis arrivé, je faisais que pleurer. Je dis ouais, ça va mal à la maison, je me sens mal, il y a des difficultés. Ouais, fils de pute. Mon père et ma mère ils font que se disputer. J'ai du mal à me concentrer, c'est pour ça. Là où je m'épanouis le mieux, là où je m'amuse le mieux, c'est à l'école. Donc c'est pour ça que je fais des bêtises. Je suis vraiment désolé, je vais essayer de me recadrer, etc. Et j'ai esquivé deux conseils de discipline. Grâce à ça, j'ai terminé ma troisième. Oh, t'as... Ah, mais tu sais que t'es un génie. Attends, viens, on finit la question du brevet. Mais je suis un génie accompli. Attends, JP, t'étais où au brevet, toi? Mais JP, tu veux pas t'avancer? Il y avait pas un petit tabouret? J'étais en stage de menuiserie. Le petit tatou. Hein? J'étais en stage de menuiserie. Pendant le brevet? Pourquoi? Attends, mais je comprends plus ces saisons. Je sais pas si c'est un film ou des saisons. Oh, t'as fait l'armée, t'as fait quoi en fait? Il faisait de la menuiserie, le jour de ça. Non, vraiment, des fois, on pose des questions, genre, on fait putain, comment on fait un truc? Il fait, ah bah moi j'ai été carreleur et tout. J'ai été carreleur 2 ans. Eh, c'est Martin Matin, tous les matins il se réveille, il a un nouveau métier ce mec. Il a tout fait. J'ai reçu la menuiserie, c'était le dernier jour en plus. J'ai dit, ouais, j'ai brevet le matin, j'ai dit, ouais, mec, ouais, j'ai brevet aujourd'hui. Oh, mais tu vas pas, dis donc, je peux. Ouais. Wesh, il a dit, tu vas pas. Ouais, mais pour les notes que j'avais, laisse tomber quoi. Moi, c'était en maths, j'étais avec monsieur Diallo, et j'avais triché, vraiment. Et sur la feuille, c'était que des bonnes réponses. Sur la feuille où je devais recopier, c'était une feuille double. Et en fait, je prenais mon temps pour écrire, pour que ce soit... tu vois, il faut pas que ce soit gris. Genre, monsieur, j'ai fini. J'ai bien pris mon temps que ça reste là. Et au moment où il fallait rendre les feuilles, j'ai dit, putain, il venait vers moi et j'avais pas quoi faire de l'autre feuille de triche. Donc j'ai dit, il va pas griller, je la laisse au milieu. De toute façon, j'ai écrit que sur une page. Le week-end passe et tout ça. Et en fait, le prof que j'avais, monsieur Diallo... Il commençait toujours à rendre les feuilles de la plus mauvaise à la plus bonne note. Dès que j'ai vu que j'étais pas dedans, les premiers, j'ai dit putain. Tiens, je chierais mes points, tiens, mais vraiment discretos. Je chierais mes points, j'ai dit putain, je vais avoir enfin une bonne note. Et à un moment donné, je vois, il cite les plus belles notes, genre 18, 19. Dans ma tête, je dis putain, mais je dois avoir un 20. Il m'a pas cité, je dois avoir un 20, un truc comme ça.
Et qu'est-ce qu'il dit devant tout le monde? Il dit, bon, j'ai gardé un chef-d'œuvre. Il est venu me voir. D'abord, il est venu me voir. Il m'a regardé, il a posé la feuille comme ça, en tapant comme ça. Et voilà que c'est vrai, il m'a regardé. Comme ça, un mot pour mot. Il m'a dit, t'es con ou tu le fais exprès? Il m'a dit, ça sert à rien, la triche, je l'ai vue. Il m'a dit, même en trichant, t'as pas réussi à voir la moyenne. Il m'a dit, c'est ça qui est incroyable. Et voilà. Mais t'es con. Le con, toi. Non. Mais tu sais pourquoi? Le brevet, c'est des trucs que t'as pas, genre c'est des... Mais non, je te parle pas du brevet, moi. Mais non, on te parle du brevet. Ah, moi je te... D'accord, je suis à côté de l'Ouest, moi.